Bonjour, mon nom est Jean-Claude Léveillé, je suis le maire de Donnacona. Je suis accompagné aujourd'hui par... Karen Rabhi, coordonnatrice en loisirs culturels à la Ville. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des activités qui vont se dérouler cet été dans nos parcs, soit le parc Donnacona, le parc des Andelais et le parc des Berges. Pour débuter, dans le parc Donnacona, le 11 juin prochain, c'est le relais pour la vie. Depuis 1999, le Relais pour la vie rassemble des hommes et des femmes qui souhaitent agir contre le cancer. Cette année, la version sera différente. Elle débutera à 18 h pour se terminer à 24 h. On vous invite tous à cette activité. Le 23 juin, nous avons notre fête nationale qui est très animée, discours patriotiques, musique, feux d'artifice et feux de la Saint-Jean. C'est toujours impressionnant année après année. Et le 24 juin, poursuivre une belle fête familiale. Maintenant, du 14 au 7 août, c'est le Festival de blues, c'est la 15e édition cette année. Alors, le festival très couru par les fans de blues, plus de 35 000 personnes se déplacent sur notre site chaque année. Il y a un terrain de camping qui est aménagé sur place. Tout est bien programmé pour vous recevoir. Le 13 août, le Festivière, notre deuxième édition, c'est une autre occasion pour venir déguster nos produits locaux et régionaux. À ne pas manquer. Alors, tout au long de l'année, dans le parc Donnacona, vous avez votre disponibilité de venir profiter des jeux d'eau, le trampoline géant, le mini-pot et autres activités à votre disposition. Le parc des Anglais est très animé l'été. On a une belle programmation estivale. Donc, tous les mardis, grande nouveauté cette année, du 28 juin au 30 août, de 19h à 20h, Rebelles débarquent dans notre parc pour offrir une diversité de cours, comme le powwow, le pong, le sculpt, pilates, flow, beauty, seront au menu à découvrir sur Facebook. Vous allez avoir un bel avant-goût bientôt. Le 6 juillet à 20h, hommage pop-rock avec Maximum Hit, débute notre programmation musicale. Le 9 juillet à 15h, Monsieur le maire va nous annoncer un bel événement. Oui, un nouvel événement cette année, le 9 juillet, comme dit Mme Rabhi, c'est le barbecue du maire. C'est une nouvelle activité cette année. Alors, c'est une activité qui est bénéfice pour toute la famille. Il va y avoir des jeux gonflables, de l'animation, de la musique en après-midi, de la nourriture, breuvage, tirage en soirée, en camp silencieux, spectacle. Comme vous pouvez voir, c'est déjà très occupé. Le tout commence à 15h. Restez avertis et regardez sur notre site également. Donc, le 13 juillet à 20h, un boom rétro très couru avec The Rumble Dog Show. Le 15 juillet, on revient avec nos cinémas en plein air, activité familiale appréciée dès la tombée de la nuit. Le 20 juillet à 20h, thématique classique jazz avec trio Lady Rouge. Le 27 juillet à 20h, soirée country avec Judith Minier. Le 29 juillet à 20h30, le deuxième cinéma en plein air avec Bad Guys. Le 3 août à 20h, on introduit le blues dans notre parc des Anglais avec Led Zepp, hommage à Led Zeppelin à ne pas manquer. Donc, le 24 septembre, nous avons aussi une belle fête familiale. Les détails sont à venir. Surveillez encore le site et le Facebook de la ville de Donnacona. Alors, ceci complète les activités dans le parc des Andelais. Maintenant, on va traverser du côté du parc des Berges. Alors, pour les amateurs de musique folklorique, ce sont les jeudis musicaux. Vous accueillez tous les jeudis depuis le 2 juin dernier jusqu'au 1er septembre et venez à profiter de cette set enchanteur au son et de la musique. Donc, vous pouvez découvrir aussi l'audio guide à faire en famille, produit par l'entreprise Gape, d'une durée approximative d'1h30 que vous pouvez faire à votre rythme et selon le temps que vous avez devant vous. L'audio guide est une belle façon de découvrir et d'observer le beau milieu naturel du parc des Berges avec un écosystème unique. Alors, c'est un rendez-vous. Ajout dans la ville cet été, un parc urbain dans le secteur des bassins d'épuration. C'est une belle nouveauté. La ville développe actuellement, avec l'aide d'un comité de plein air formé de bénévoles, des sentiers de vélos de montagne, de marche, et cet hiver seront accessibles pour la raquette. Donc, à suivre aussi.
Alors, sans oublier, ceci complète la programmation de nos parcs, mais aussi il y a des dates importantes qui sont à suivre. Alors, le 27 et le 28 août, c'est la grande vente de garage au relais de la Pointe des Écureuils qui est toujours très populaire à chacune des années. Le 29 et le 31, du 29 au 31 août, c'est les inscriptions d'activités hivernales à l'aréna. Et sans oublier, cette année, ils sont de retour, l'Expo Donnacona du 8 au 11 septembre. Alors, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'activités cette année dans notre ville. On le dit souvent, Donnacona est une ville dynamique et active. Alors, on vient de vous démontrer la preuve que c'est véridique. Oui. Alors, ça va être au plaisir de vous voir sur notre site cette année. Merci beaucoup et au plaisir. Merci. Merci.